Donc bonjour, je m'appelle Pierre-Yves. De manière générale, je travaille sur de la gestion de version comme Mercurial, enfin, en particulier Mercurial. Je travaille dans une toute petite boîte qui s'appelle Octobus, qui vend du service autour de ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler technique particulièrement. Je vais vous parler de comment faire une conférence et faire une conférence juste avec le temps que vous avez. Alors, ça va marcher. Mon écran est de l'autre côté. Donc le but de cette conférence, c'est de pouvoir facilement et sans trop de douleur se retrouver à faire ça, donner une conférence intéressante à un public intéressé et sans y passer forcément 3 semaines si vous n'avez pas 3 semaines ou même 3 jours si vous n'avez pas 3 jours et avoir un truc qui sera quand même intéressant et donnable sans que vous en ayez des cauchemars. La première étape pour pouvoir donner une conférence, c'est de proposer une conférence et de répondre à un appel à participation. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence? Quand des gens disent on organise un ensemble de conférences, proposez-nous des sujets. Les gens qui vont aller faire des conférences là-bas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter oralement. A priori, à part les gens qui sont muets, tout le monde ici sait parler. Peut-être que vous êtes bègue, mais vous avez quand même parlé. Peut-être que vous avez un accent belge, vous savez quand même parler. Ça pourrait être pire, vous pourriez avoir un accent français en anglais. Mais donc, le côté parler, normalement, vous maîtrisez. Donc, on présente oralement un sujet intéressant. A priori, il se passe des choses dans votre vie et il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, mais vous avez des choses intéressantes à dire. Et vous allez faire ça pendant un temps défini. Je pense que dans votre vie, vous avez déjà géré l'exercice de vous avez un temps limité pour faire quelque chose et vous avez déjà réussi. Donc, a priori, vous avez toutes les compétences requises pour faire une conférence. Ici, j'ai proposé une méthode simple pour trouver un sujet pertinent et pour faire préparer une présentation avec ce sujet pertinent avec le temps que vous avez. Le temps que vous avez, c'est pas magique. Je suis pas en train de vous dire en 2 minutes vous présentez une conférence en keynote à Picon.fr et vous devenez un expert du Forex. Plus vous passez de temps sur une conférence, mieux elle sera. Donc il n'y a pas de miracle si jamais il y a un enjeu particulier. Donc si par exemple c'est une conférence que vous donnez dans un cadre professionnel parce que des gens ont payé pour cette conférence, il faut prévoir le temps adapté à la qualité nécessaire à cette présentation. S'il y a des gros enjeux derrière cette conférence, eh ben, il faut mettre le temps adapté à ces gros enjeux. Si vous ne maîtrisez pas le sujet sur lequel vous allez parler, il faut aussi prendre le temps de maîtriser le sujet et d'être capable de faire une conférence correcte là-dessus. Il y a beaucoup de littérature sur ce genre de questions, savoir si comment faire une conférence le mieux possible en y passant beaucoup de temps. Généralement, toutes ces choses-là, elles sont écrites par des gens qui donnent des très grandes conférences, qui sont très bien et qui sont très bien organisées, genre comment est-ce que Steve Jobs faisait ses conférences ou ce genre de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que ces gens-là, c'est une partie importante de leur travail de donner des conférences et ils y passent énormément de temps, ce qui n'est pas forcément adapté à vos besoins à vous et à nous. Et par rapport à ce que vous faites quand vous faites une conférence au FOSDEM ou à Picon.fr, où ça prend sur votre temps de travail ou sur votre temps de sommeil ou sur votre temps de vie personnelle, de préparer ce genre de conférences qui sont intéressantes à faire, mais différentes. Je ne sais pas si vous connaissez la petite vidéo qui s'appelle What, qui présente des caractéristiques rigolotes de Ruby ou de JavaScript ou ce genre de choses. C'est une conférence qui est très efficace. Qui est très bien faite, qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Gary Bernhardt, qui fait aussi d'autres conférences. Il a fait des keynotes à Picon qui étaient fabuleuses. Mais cette personne-là, en fait, son boulot, c'est de faire des vidéos et de faire des conférences. Et donc, il est très bon, mais aussi parce qu'il passe beaucoup de temps et que c'est son travail principal. S'il n'y a que des gens comme ça qui parlaient à Picon.fr, eh ben, on aurait beaucoup moins de diversité et des conférences beaucoup moins intéressantes. Donc c'est important et intéressant que le plus de gens possible proposent le plus de sujets possible pour parler dans ce genre de conférences. La première chose qu'il va vous falloir pour pouvoir faire une conférence, et qui est d'un côté le plus important, parce que mieux ce sera choisi, plus le reste sera simple, c'est trouver un sujet. L'avantage, c'est que en fait, vous avez déjà plein de sujets dans votre tête, et donc c'est pas tellement trouver un sujet, c'est choisir un sujet. Ce qu'il va falloir pour faire facilement une conférence qui est intéressante,
c'est il faut choisir un sujet personnel, donc soit une expérience qui vous est arrivée, une découverte, tiens, j'ai découvert ce gestionnaire de fenêtres ou cette bibliothèque, ou un retour d'expérience, j'ai passé tout mon code de Python 2 à Python 3, voilà ce qui m'est arrivé. Donc choisissez un sujet personnel de quelque chose qui vous est arrivé. Il faut quand même prendre un sujet relativement notable. Si vous parlez de choses où il y a assez peu de profondeur, vous n'allez pas réussir à faire une conférence intéressante. Ça ne veut pas dire que c'est très compliqué. Si par exemple vous dites, vous faites une conférence sur la semaine dernière, j'ai fait une salade de tomates. C'est probablement pas un bon sujet. Par contre, si vous, juste en creusant un peu plus, j'ai fait une salade de tomates en novembre. Pourquoi est-ce que j'avais des tomates en novembre? Tiens, d'où ça vient les tomates en novembre? Eh bien, subitement, vous avez de la profondeur sans avoir été chercher quelque chose qui vous donnera le Pulitzer et vous pourrez quand même donner une conférence intéressante. Plus vous prendrez un sujet qui est frais, donc quelque chose que vous avez récemment et que vous avez en tête, plus ce sera facile d'avoir une présentation qui est naturelle et fluide sans avoir à y passer trop de temps et sans avoir de prendre trop de risques à ce niveau-là. Donc, globalement, réfléchissez à ce que vous avez fait l'année dernière et trouvez le sujet qui vous semble le plus pertinent, qui vous est proche, qui vous semble intéressant et que vous avez bien en tête. Au niveau comment un peu organiser, comment vraiment choisir son sujet, je trouve que c'est bien de prendre un sujet relativement équilibré. Vous voulez quelque chose qui soit pas trop concret et pas trop abstrait. Donc si vous juste vous dites « Ah, je suis passé de Python 2 à Python 3, donc j'ai dû changer ce texte-là dans mon fichier », c'est pas très intéressant. Mais si vous donnez quelque chose de plus, un peu plus, alors voilà d'un point de vue concept comment j'ai dû réorganiser mon application, ça c'est plus intéressant. Et si vous vous lancez dans un truc très abstrait sur il y a des applications qui sont compliquées, il y en a qui sont simples et puis du coup il y en a qui sont moins simples, vous allez perdre des gens. De la même manière, si vous êtes trop simple, vous n'allez pas apporter grand chose à vos utilisateurs d'ailleurs, mais aux gens qui écoutent votre conférence. Et si vous êtes trop détaillé, ça va être assez difficile de... c'est pas au même public et ça va être plus difficile de produire quelque chose relativement rapidement sans y passer énormément de temps. Une autre question importante, c'est je peux faire une conférence, mais pourquoi j'irais faire une conférence? Parce que ça reste, ça prend du temps, ça fait du stress, ça faut se déplacer, on ne peut pas aller voir d'autres conférences pendant qu'on en fait une, ce genre de choses, et pendant qu'on la prépare aussi. C'est intéressant de transmettre votre expérience, parce que vous avez des choses à dire, dites-les, et les gens seront contents de les entendre. C'est aussi assez intéressant de prendre du recul, de se dire, tiens, ce truc-là, c'est un truc intéressant qui m'est arrivé. Si vous faites une conférence sur quelque chose qui vous est arrivé ou quelque chose auquel vous pensez, vous allez être obligé d'y réfléchir, de l'organiser, de le formuler assez explicitement. Et ça, c'est un processus qui est intéressant pour vous, parce que vous allez mieux comprendre ce que vous avez fait l'année dernière ou ce genre de choses. Et après, vous allez pouvoir échanger avec d'autres gens aussi. Il y a des gens, vous avez eu un problème, vous l'avez résolu comme ça, vous allez rencontrer d'autres gens qui ont le même problème, qui l'ont eu résolu différemment, et ça va être assez intéressant. C'est aussi pour ça qu'on va à des conférences. Donc la grande question, maintenant que vous avez un peu réfléchi à un sujet, vous vous êtes dit « Ah oui, il y a ça auquel, ce qui m'est arrivé l'année dernière, on va prendre ça et puis on va parler de ce sujet », c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y a trois éléments principaux qui correspondent aux trois éléments de mon slide d'avant. Globalement, il va falloir que vous racontiez votre vie. Donc ça, c'est assez simple. D'un certain côté, donner une conférence, c'est un peu comme prendre l'apéro avec des gens. Si, en anglais, conférence, ça se dit talk, qui veut dire parler. Et donc, d'un certain côté, une conférence de 20 minutes, c'est un peu comme si vous aviez un sujet intéressant et que vous commencez à en parler et puis les personnes avec qui vous prenez l'apéro s'arrêtent de parler pour vous écouter pendant que vous parlez de vos vacances ou de votre aventure ailleurs. Donc raconter sa vie, c'est quand même assez simple. Par contre, il va falloir le faire de manière un peu organisée pour avoir une structure et que vous transmettiez de l'information efficacement. Et il va falloir le faire dans le temps qui est imparti. Parce que si vous faites trop long, on n'aura pas la fin de votre histoire. C'est une différence par rapport à l'apéro où si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Si ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure. Et puis voilà. Donc... pour gérer tout ça, il va falloir avoir une espèce de socle commun de préparation initiale pour lequel moi j'ai une espèce de petite recette qui marche relativement, que je trouve qui marche bien et que je vais vous énoncer ici.
Ça commence forcément par la première étape avant toute conférence qui est soumettre sa proposition. Si vous ne soumettez pas de proposition, vous n'aurez pas de talk. Soumettre sa proposition, il va falloir vous trouver un sujet. On vient d'en parler un peu en cœur, de réfléchir à quelque chose qui vous parle et qui parlera à des gens. Il vous faut un plan minimaliste pour un peu décrire, faire une description de votre conférence. Et c'est aussi important pour savoir si l'idée que vous avez au fond de la tête, en fait, vous allez réussir à en faire quelque chose. Si vous vous forcez un peu à réfléchir, ah oui, si je parle de ça, je pourrais dire ça, puis ci, puis ça. Ou si, en fait, c'est rigolo, mais vous n'allez jamais tenir 20 minutes ou vous n'allez pas réussir à organiser votre pensée à ce moment-là. Donc, trouvez un sujet, faites un plan minimal et prenez une conférence courte. Parce que meubler 50 minutes si au final vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, c'est assez compliqué, alors que parler pendant 20 minutes, c'est relativement simple. Même si vous n'avez pas énormément de préparation. Donc bravo, vous avez la première étape, vous avez un sujet, après avoir soumis votre conférence. Si votre conférence est acceptée et vous avez juste fait ce travail-là, d'un certain côté, vous avez déjà une conférence. Vous allez parler d'un sujet que vous connaissez, et comme vous connaissez ce sujet, même en faisant plus rien à partir de là, vous pouvez vous retrouver face à une audience et parler de manière relativement intéressante du sujet pendant 20 minutes, avoir des questions à la fin, que les gens aient appris des choses, et ce sera intéressant. Ce ne sera pas la meilleure conférence, j'en ai vu des comme ça, ce n'étaient pas les meilleures, mais j'en ai vu qui étaient très bien organisées et qui étaient moins intéressantes que ça. À partir du moment où vous avez bien choisi votre sujet et que votre sujet c'est quelque chose sur lequel vous avez des choses à dire et sur lequel que vous maîtrisez bien, vous êtes capable de venir les mains dans les poches et d'en parler pendant 20 minutes et que ça ne soit pas inintéressant. C'est quand même mieux d'organiser un peu et de planifier un peu sa présentation pour avoir des choses de meilleure qualité, parce que plus on y passe du temps, mieux c'est. Donc il va nous falloir un peu de plan et d'organisation. Pour faire mon plan, je réfléchis aux idées principales que je veux transmettre. Je les marque sur un papier ou ailleurs. J'isole un peu les points importants dont il faut parler. Je les rassemble par thématiques qui vont faire des parties et vous articulez ces thématiques. Donc, c'est un processus relativement simple. Vous pouvez y réfléchir dans votre douche et puis un jour, il faut se mettre devant un papier. Vous écrivez vos idées, vous les mettez par thématique, vous avez un petit arbre. Et après, le bout important, c'est de répartir votre temps. Vous n'avez que 20 minutes. Vous avez des parties, des thématiques, vous assignez une quantité de temps de bon, ça c'est plus important, on va y passer plus de temps, ça c'est moins important, on va y passer moins de temps. Et en fonction du temps, vous allez avoir un contenu, ça va définir ce que vous allez pouvoir mettre dans vos slides et aussi, dans votre conférence en fait en général. Et vous allez aussi vous rendre compte, si vous avez une idée qui a l'air sympa, mais vous retrouvez à avoir que 2 minutes à lui mettre dessus, en fait vous avez déjà trop d'idées dans votre conférence et il faut en retirer un peu, ou si vous avez vous retrouvez que vous avez 10 minutes pour parler d'un truc simple, et bien il va falloir réfléchir à d'autres idées à mettre dans votre conférence. Donc sans même commencer à faire des slides, réfléchissez à de quoi vous voulez parler, combien de temps vous voulez en parler, et vous faites une structure qui devrait plus trop bouger au niveau de votre conférence. Donc là, bravo, vous avez une deuxième étape. Maintenant que vous avez un plan, même sans slide, même sans rien, vous savez de quoi vous voulez parler, dans quel ordre, comment ça s'articule et combien de temps. Et vous pouvez encore venir les mains dans les poches avec juste un petit papier qui a ce plan et avoir un discours qui est plus intéressant que ce qu'il y avait avant, un moins intéressant que si vous aviez encore du support avec des graphiques et des choses comme ça. Mais vous êtes déjà capable de faire quelque chose. À partir de là, on va essayer d'avoir un support parce que quand même, de manière moderne, c'est plus sympa d'avoir des slides et que ça présente un certain nombre d'avantages. Donc, on va passer, maintenant qu'on a un sujet et qu'on a organisé ce sujet, on va réfléchir à notre discours. Comment est-ce qu'on présente le sujet ? On peut réutiliser une partie de la littérature plus générale sur comment faire ces slides. Pour faire simple, une idée, c'est à peu près un slide. Et un slide, c'est à peu près 1 minute, même si parfois, il y a des idées qui sont plusieurs slides ou des slides qui vont durer plus longtemps, mais ça donne une bonne ligne directrice, commencer comme ça. Si vous avez prévu 3 minutes dans la section d'avant, vous avez prévu 3 minutes pour parler d'une partie et que vous n'avez qu'un slide, ça ne va pas le faire. Si vous avez 10 minutes et un slide, vous avez probablement un problème. Commencez par vraiment des slides simples. Vous avez une idée, ça correspond à quelques mots, vous les mettez sur slide. Si jamais il y a quelque chose de vraiment plus compliqué, faites un support visuel tout de suite, mais vous pouvez rajouter des supports visuels plus tard. Il y a aussi des tableaux blancs et des choses comme ça. De manière générale, vous avez un plan, vous les organisez, vous êtes capable de parler devant des gens pendant un certain temps, ça devrait aller.
qu'il faut voir, c'est que tout ce qui est support visuel ou choses un peu plus concrètes, c'est des choses qui sont incompressibles. Si vous voulez faire une démo, ben, il va falloir faire ça, ça ne s'improvise pas. Il va falloir qu'elle soit prête, qu'elle roule, que vous l'ayez préparée, que vous l'ayez enregistrée en vidéo ou que vous ayez un outil pour la faire toute seule. Si vous voulez avoir un graphique ou un petit dessin, ben, vous n'allez pas pouvoir l'improviser, il faut le faire. Si vous voulez rassembler les statistiques sur savoir combien il y a de développeurs Python qui viennent de quel pays, et ben, il va falloir faire ce compte avant la conférence. Donc si vous avez des choses comme ça qui sont vraiment importantes pour votre argumentation, faites-les le plus tôt possible. Si vous avez des choses comme ça qui ne sont pas indispensables pour votre argumentation, vous pouvez attendre un peu avant de les faire et garder l'idée dans un coin et puis vous en occuper plus tard. Mais si vous avez des choses qui sont indispensables, si votre conférence tourne autour d'une démo, commencez par la démo. Le reste sera relativement simple à faire après. Et s'il y a des choses qui en fait sont trop compliquées ou prennent trop de temps, et ben, changez un peu votre structure, ne la faites pas et puis vous la ferez quand vous aurez le temps. Une fois que vous avez des slides de base, faites une relecture, une première relecture, vérifiez que vos slides, si vous les générez, le texte tient sur le truc, que les images sont dans l'écran, que le contenu à peu près du sens est cohérent d'un slide à l'autre, qu'il n'y a pas de faute, et que vous savez quoi dire par-dessus, à peu près. Sans forcément le dire à l'oral, vous regardez un slide, vous réfléchissez dans votre tête, ah oui, donc ça c'est le slide où je dis ce genre de choses. Vous passez sur votre présentation comme ça dans votre tête, et vous êtes sûr que vous avez des slides qui ressemblent à quelque chose et que vous savez quoi dire par-dessus. Et à ce moment-là, non, vous n'avez pas fait d'étape en plus en fait. Vous avez des slides, mais vous n'êtes pas sûr que vos slides ils tiennent sur votre plan initial. Vous avez fait du contenu, mais vous n'avez pas vérifié que ce contenu correspond au, donc, va réussir à tenir dans le temps imparti. C'est là où ça commence à être compliqué d'avoir une contrainte de temps. Donc vous n'avez pas une étape en plus et d'un certain côté vous avez plein de slides mais vous n'êtes pas tellement capable de faire mieux que quand vous aviez les mains dans les poches avec juste une structure. Pour ça, il va falloir que vous calibrer votre conférence. L'objectif c'est d'aligner le temps effectif que vous avez en slide et en discours effectif par rapport au temps que vous aviez prévu. Soit en ajustant le temps prévu, soit en ajustant le contenu effectif des slides. Donc pour ça, alors vous pouvez parler à autre chose que votre ordinateur, vous pouvez même parler à des gens dans une salle pour faire une vraie répétition, mais il suffit de vous mettre devant votre ordinateur et de en parlant d'un certain côté à voix haute, en faisant des phrases complètes et en notant le temps que chacun de vos slides et chacune de vos idées prend. À la fin de ce processus, vous allez pouvoir savoir si le temps que vous aviez prévu par section et par slide correspond à ce que vous aviez prévu. Il y a plusieurs options. À plusieurs niveaux. Est-ce que si vous avez quelque chose qui est trop long, est-ce que c'est la conférence en entière qui est trop longue? Est-ce que c'est une partie qui est trop longue? Est-ce que c'est un slide qui est trop long par rapport à ce qu'on avait prévu? En fonction de ça, on aura des réponses un peu adaptées. Mais globalement, si vous avez un slide ou une partie trop longue, soit ça vaut le coup de le découper pour avoir un peu plus de détails et pouvoir mieux étayer votre pensée parce que ça méritait d'être trop long. Ou alors il faut simplifier parce que OK, vous pouvez parler 10 minutes là-dessus, mais en fait, vous n'avez pas le temps de parler 10 minutes, donc il faut parler que 5 minutes, donc vous retirez des bouts, vous faites des phrases plus courtes, ce genre de choses. Ou même, dans certains cas, vous supprimez. Si en fait, 20 minutes, c'est trop court pour parler des monades, et c'est probablement parce que les monades, c'est mérité une conférence à part, et du coup, vous pouvez y faire allusion, mais vous parlerez des monades plus tard. À l'opposé, si c'est plus court, enfin, si c'est trop court par rapport à ce que vous avez prévu, et que, par exemple, vous aviez 3 slides et vous avez passé 20 secondes sur 3 slides, vous avez trop de contenu au niveau de vos slides, donc potentiellement vous pouvez juste rassembler des slides et simplifier ça. Ou alors c'est vraiment important et vous pouvez prendre le temps de donner plus d'exemples, être plus clair, être un peu répéter des choses avec deux approches différentes pour qu'elles soient plus claires, et mettre plus de contenu sur vos slides. Et une autre option, c'est aussi juste de garder quelque chose de trop court. Parce que si vous n'aviez pas plus de choses à dire sur ce sujet-là, potentiellement, il n'y a pas plus de choses à dire. Et si votre conférence de 20 minutes, elle fait 15 minutes, ce n'est pas dramatique et vous aurez 5 minutes de questions en plus. Il ne faut pas faire 2 minutes de conférence à la place de 20, mais c'est une option de faire des choses plus courtes. Les choses trop longues, ça vous interrompt, mais les choses trop courtes, ce n'est pas dramatique. Et si les choses sont trop compliquées, donc quand vous êtes en train de faire d'un certain côté votre répétition tout seul, que vous pouvez faire par tranche, si ça vous arrange,
Si vous n'arrivez pas vraiment à expliquer un truc, vous sentez que vous n'êtes pas clair, vous ne savez pas comment faire vos phrases, c'est que probablement quelque chose est trop compliqué. Donc soit il faut que vous réfléchissiez de votre côté pour trouver une manière intelligente et intelligible de le formuler assez rapidement. Soit il faut faire des dessins, changer le slide pour avoir des mots plus clairs, avoir un graphique qui soutient et ce genre de choses. Soit si c'est trop compliqué encore, vous pouvez le supprimer. Peut-être qu'une conférence de 20 minutes, c'est pas le moment pour parler des monades et que vous parlerez des monades plus tard. À partir de là, vous faites une première passe, vous ajustez en utilisant la technique d'au-dessus, en disant bon, ça il faut supprimer, ça il faut allonger, et voilà. Et vous pouvez en faire une autre, ou vous pouvez vous dire que oui, bon, c'était quand même quasiment ça, maintenant je sais à quoi ça ressemble. Vous recommencez autant de fois pour savoir exactement quelle est la structure de votre conférence. Et maintenant, c'est bon, vous avez un sujet, vous avez une organisation de la manière dont vous présentez ce sujet, et vous avez un discours qui tient la route. Peut-être que vous connaissez pas vos phrases par cœur, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi claires qu'elles pourraient, mais vous êtes capable de parler sur un scénario à peu près défini de votre conférence pendant 20 minutes sur un sujet de manière intéressante. À partir de là, vous pouvez pas mal vous détendre en vous disant bon, j'ai quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous avez une conférence qui est fabuleuse, mais vous avez une conférence que vous pouvez donner à des gens qui vont comprendre et qui vont apprécier a priori. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à faire une conférence plénière devant 2000 personnes et que les gens ne vont pas être déçus? Pas forcément, même probablement pas, parce que si vous avez passé une demi-journée sur votre conférence, il y a probablement pas mal de choses à améliorer. Si vous n'avez jamais fait de répétition totale en conditions un peu réelles, il y a probablement des choses à améliorer. Il y a probablement un certain nombre d'endroits aussi où vous avez des mots qui ne sont pas complètement adaptés, où il faudrait plus d'images ou de schémas, ce genre de choses. Donc à partir de là, quand vous avez votre première conférence, en fait il y a un cycle plus ou moins infini, c'est comme pour la programme, vous pouvez raffiner votre conférence en rajoutant plein de choses, soit des images, soit des figures, réfléchir à des exemples pertinents, des liens entre vos exemples d'une section à l'autre, trouver des petites blagues à faire, trouver des gifs animés, des images entre les sections, et faire des répétitions avec des gens aussi pour voir comment ça se passe. Ça c'est une partie qui est presque... qui est moins intéressante à creuser, déjà parce que j'ai que 20 minutes, et aussi qui est moins intéressante à creuser parce que ça ressemble beaucoup à comment faire la conférence parfaite, enfin l'article de blog sur comment faire la conférence parfaite que d'autres gens vont déjà avoir publié. Donc cette étape, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, et en particulier vous pouvez donner votre conférence une fois, et quand vous devez redonner votre conférence plus tard, vous pouvez la refaire. Donc au final, vous devriez faire des conférences, et puis les refaire, et puis en faire d'autres, et puis les refaire, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que c'était clair et qu'on aura une pile de conférences comme ça à relire pour le prochain Python en 2019. Et est-ce que vous avez des questions? Oui. J'arrive, je me mets devant vous, puis je déroule mon truc, j'essaie de pas trop regarder les gens. Et des fois, je m'arrête et je me dis, je raconte des trucs à 40, 50, 60 personnes, puis j'en regarde un en particulier, il a l'air de se faire chier. Alors, c'est très risqué. La toute première conférence que j'ai faite, il y avait une personne à la salle fixée et qui avait l'air de s'emmerder terriblement. Et je me dis, ce que je raconte doit être nul, ils doivent tous s'emmerder. Et en fait, c'est vachement stressant. Il y a des fois, on voit, il y a des conférenciers qui sont un peu en dessous parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, parce qu'ils sont en train de commencer à paniquer. On n'est pas passé la nuit devant nous. Enfin, il y a des gens qui disent que ce n'est pas naturel. Est-ce que tu as des conseils autres que. Enfin, on peut essayer de répéter devant des amis, mais ce n'est pas vraiment pareil. J'ai pas de solution magique contre le stress, le trac et le fait de parler devant plein de gens. D'un certain côté, c'est une question de pratique. Faut le faire une fois et voir que peut-être qu'il y a peut-être deux personnes qui se sont emmerdées, mais il y en a d'autres qui ont trouvé ça bien. L'approche de raconter sa vie pendant un apéro est en fait une bonne approche pour aborder une conférence. Bon, d'accord, c'est un apéro à 40 et personne n'a de boisson, mais vous êtes là, vous racontez des trucs, c'est pas si long que ça, vous savez que c'est intéressant parce que vous pensez que, enfin, parce que vous avez choisi un sujet qui mérite d'être discuté. Et au pire, quand vous avez choisi une conférence courte, et ben, vous vous serez planté pendant 20 minutes. Et ben, tant pis. Non, c'est la solution
par exemple, mes collègues ne sont pas venus à ma conférence. La solution de Victor, c'est d'inviter des amis et de les regarder. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. C'est plus une remarque par rapport au temps. Ouais. Quand on fait des conférences, alors je trouve que 20 minutes c'est un bon format, effectivement. Mais en fait, plus on fait des conférences courtes, plus ça demande de travail pour faire passer le message efficacement. Ouais. Donc la question là-bas, pour la caméra, c'est une question remarque qui dit qu'en fait faire une conférence courte c'est plus compliqué parce qu'on a moins de temps pour faire passer des idées. Une conférence de 5 minutes, c'est effectivement difficile de donner des idées, de transmettre des idées intéressantes très rapidement. On peut faire des conférences de 20 minutes très denses et une autre solution aussi c'est de ne pas être trop ambitieux et de raconter quelque chose qui n'est pas trop compliqué en ne rentrant pas trop dans les détails en 20 minutes et du coup c'est plus facile de le faire rentrer. Mais effectivement dans une conférence de 50 minutes on va pouvoir faire passer des choses beaucoup plus en détail ou en 20 minutes avec beaucoup de travail on peut faire une présentation très percutante et très efficace. Mais l'objectif ici c'est de réussir à faire des présentations intéressantes de 20 minutes sans forcément y passer 3 semaines de travail. C'est une bonne question que je n'ai pas mesurée. Mais cette conférence, c'est en temps effectif dans l'ordinateur, c'est probablement quelque chose comme 4 ou 6 heures. Mais je n'ai pas mesuré exactement. Il y a pas mal de travail, en particulier sur tout ce qui est sujet et réfléchir aux idées principales qui peuvent être faites en parallèle. En fait, cette idée de conférence, je l'ai depuis l'année dernière. Et donc j'y réfléchis depuis l'année dernière. Mais la partie effective de produire des slides et de organiser des idées et trouver des choses, j'y ai passé un temps relativement limité, entre autres parce que j'avais une conférence de 50 minutes sur un sujet que je maîtrisais moins samedi matin, et donc l'essentiel du temps de préparation est passé dans celle-là. Quel est ton conseil pour faire une conférence dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle? Parce qu'en fait, finalement, tu disais que mes slides vont tous parler, etc. Ouais. Effectivement, quand on est dans sa langue maternelle, après, on maîtrise son sujet, mais parce qu'on dit que c'est assez facile. Mais de plus en plus, les conférences, elles sont internationales, elles sont souvent menées par un anglais, par exemple, etc. Et là, même quand on maîtrise le sujet, ouais. Il y a une autre difficulté. Oui, effectivement, ça nécessite de parler, enfin, de réussir à parler de manière relativement fluide. Dans la langue dans laquelle on donne la conférence. Et si on maîtrise par exemple pas très bien l'anglais, ça va être difficile d'avoir ce genre d'approche pour une conférence en anglais. Donc si vous avez une conférence en anglais à faire, il faut y passer le temps, ou alors il faut passer le temps d'être relativement fluide en anglais, ce qui est généralement plus long mais relativement pratique aussi. Alors, de manière générale, il ne faut pas écrire trop de choses sur les slides, je trouve, qu'on fasse ça, qu'on fasse une approche rapide ou une approche vraiment, qu'on passe beaucoup de temps sur la conférence, parce que plus il y a de choses écrites sur les slides, plus ça va être difficile aux gens de suivre ce que vous dites. Alors effectivement, si ce que vous dites est difficile à suivre, on peut marquer plus de choses, mais dans ce cas-là, les gens ne vont probablement plus du tout vous écouter. Donc de manière générale, des slides simples avec soit pas de phrases, soit des phrases très simples, je pense que c'est mieux dans tous les cas. Si vous maîtrisez mal la langue que vous utilisez pour parler, il faut du coup mettre moins de choses, faire des phrases plus simples, prévoir plus de temps pour pouvoir parler, pour pouvoir reprendre vos phrases quand elles n'iront pas, et pour pouvoir parler lentement, distinctement. Moins vous maîtrisez le sujet, moins vous êtes à l'aise, moins il faut mettre de choses pour moins avoir de tension dans votre conférence, je dirais. Par rapport à la slide avec la BD de Babar, je pense que c'est possible de faire des conférences techniques, mais il ne faut pas partir du principe que vous connaissez déjà le sujet, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir vraiment des débutants, expliquer vraiment de manière didactique. Pour faire une conférence technique, il faut vraiment passer du temps à la préparer.
Enfin, il y a des choses compliquées à préparer depuis le début. Entre autres parce que je pense que ça vous est déjà tous arrivé d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi cette technologie est géniale ou pourquoi le code que vous venez d'écrire est génial. Essayer de faire ça en 5 minutes de manière claire, sans bafouiller, ça va probablement pas très bien marcher. Donc il faut, pour faire un truc vraiment technique, il faut prendre le temps d'avoir beaucoup de schémas, d'être vraiment très sûr de l'articulation des passes entre elles. Et du coup, c'est... les étapes avant d'arriver à quelque chose de clair sont beaucoup plus longues. Voilà. Enfin, de mon point de vue. Est-ce que j'ai du temps encore ou, et est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok.